Sylvie a manqué périr étouffée. Johnny a failli perdre son calme. Dans la mairie de Loconville et dans la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday. Actuellement militaire en Allemagne, Jean-Philippe Smet a obtenu une permission spéciale. Johnny et Sylvie vont signer ensemble leur premier contrat. Comme la mairie, l'église s'est révélée beaucoup trop petite pour accueillir les amis du couple et les curieux, amateurs ou professionnels. Monsieur et Madame Smet ont mis presque 20 minutes pour rejoindre leur voiture. Sylvie a manqué périr étouffée. Johnny a failli perdre son calme. Il leur faudra encore beaucoup de patience avant de pouvoir partir pour une destination enfin inconnue.